passer à la catégorie impression et technologie numérique. Et nous avons deux nommés dans cette catégorie. Domino pour la K300i et MGI Digital Technology pour l'Octopus. J'ai chaussé mes lunettes. Jean-Marc a mis ses lunettes, nous progressons. Mais je veux bien un micro. Tu veux bien... Oh, non, mais j'ai une voix qui porte assez bien, mais c'est mieux quand même. Oui. Eh bien donc, j'ai le plaisir Alors, c'est quelqu'un que personne ne connaît. La société MGI Digital Technology, et je vais appeler Louis Gauthier, qui est vice-président R&D de MGI. Alors c'est dommage, j'en ai prévu un petit vidéo, mais on va vous la passer, donc je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'est cette machine. Vous êtes exposant sur le salon. Oui, alors grosso modo c'est une machine de découpe d'étiquettes numérique. On avait le choix entre des technologies existantes comme du laser par exemple ou des plaques de découpe traditionnelles et également éventuellement de la découpe avec des têtes mécaniques et des lames. Bon. Quand on a examiné toutes ces solutions sur le marché, on s'est rendu compte qu'aucune solution n'était parfaite. Nous avons développé une bonne machine et donc avec l'idée en fait de prendre le meilleur de toutes ces solutions, et le mieux c'est toutes ces solutions sur des découpes avec des lames. Donc on a multiplié en réalité le nombre de têtes de découpe, c'est-à-dire que vous imaginez en fait une table de découpe, peut avoir jusqu'à une quinzaine en fait de têtes de découpe qui vont travailler de façon simultanée. Et ce développement a mobilisé plusieurs dizaines d'ingénieurs pendant près de 4 ans, dans toutes sortes de spécialités, aussi bien mécaniques que logicielles. Et en particulier, par exemple, on intègre dans cette machine un jumeau numérique qui permet d'établir les meilleures stratégies de découpe et d'éviter qu'il y ait des collisions de tête. Voilà. Donc, combien de temps de développement ? Comme je vous l'ai dit, c'est 4 ans de développement. C'est des dizaines de milliers d'heures de travail d'ingénieurs. Ça fait partie de notre ADN. La société MGI investit pas loin de 10 millions d'euros de R&D pratiquement tous les ans. C'est un produit qui est extrêmement innovant et qui vient d'ailleurs après l'AlphaJet, qui est une autre solution. Jean-Marc, une question ? Je voulais juste rappeler un élément, si mes souvenirs sont bons, ma mémoire est bonne, c'est qu'en plus on protège énormément les matériaux que vous travaillez. Et c'est ça aussi un atout, parce qu'il y a des matériaux, là c'est une des spécialités d'FGI, d'être capable d'imprimer des matériaux très compliqués, avec des formes très compliquées, des épaisseurs très compliquées. Et très souvent, il y avait ces problèmes où on venait un peu écrasé, on venait un peu abîmé, les outils n'étaient pas toujours adaptés. La chaleur, c'est quand même un ennemi terrible dans toutes vos spécialités, et ça, c'était un avantage fabuleux. Exactement. En fait, en revenant à l'origine, c'est en fait une lame pour découper. On est capable de travailler pratiquement n'importe quel type de matériaux. Et par ailleurs, on a des porte-outils. Hein. Donc on peut même imaginer mettre des fraises, par exemple, pour découper du carton très épais plus tard sur ce genre de technologie. Eh bien, bravo. Je vous invite à gagner le photocours. Et Jean-Marc, je suis. Pour aller à la photo et merci.